Aussitôt installé, j'ai entamé une tournée dans les 14 districts qui composent la commune de convergence de Kamsa. Je suis parti à Taïbé, à Koufin, à Pinari, en Botini, à Kakilinsi, à Katongro, à Kawas, à Misra. Je suis parti à Kamakoulum, à Madina Borbof, à Filima, à Kassongone, à Kamsa Centre, à Kamsa City, partout. Le constat est alarmant. Les enfants ne sont pas en train d'étudier. Il n'y a pas d'école. Peu d'infrastructures qui existent. Il n'y a même pas d'enseignants. J'ai trouvé à Koufin et à Kakilinsi une école de 3-4 classes, 6 groupes pédagogiques, un seul enseignant. Un seul enseignant. Il n'y a pas école à Misra, il n'y a pas école à comme on appelle, à Nafaya. Les enfants sont à Misra, ils sont à Nafaya. Ils ne peuvent pas marcher jusqu'à Nerebouin Centre pour aller étudier. C'est difficile. Ça n'étudie pas au village. Quand tu viens en Botini, en Binari, depuis que moi j'avais un an, en 68, les enfants n'ont pas étudié successivement, première année, deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année, sixième année, être candidat pour l'examen de passage à septième année. Jamais depuis 68, ça n'étudie pas. Quand tu vas dans le chef-lieu, à Binari, tu n'es pas parti à Brouf, tu n'es pas parti à Yoto, tu n'es pas parti à Kanonké, tu n'es pas parti à Sopila. C'est que ça reste encore, le constat reste. Donc, dans les petits villages, j'ai encore entamé une autre tournée qui m'a envoyé dans ces petits villages. J'ai constaté que les enfants ne sont pas en train d'étudier. Je suis venu à Yoto. À Yoto, il y a un citoyen qui a pris la parole, un vieux sage. Il dit en sous-sous, Mangé, Moutamadé Moukarambé. Chef secteur Nara Kayingiza. An Kelibé. Abou Mane Hang. Afafa. Puis Mangé. Et tantôt Karang. Nanar na Mangé Anaïra. Khamouma de Mokarang. Halimota Moudanou. Alors, quand je me suis retourné à Kamsar, j'ai appelé une réunion d'urgence. J'ai sensibilisé les conseillers communaux pour qu'on regarde le plan quinquennal qu'on appelle le plan de développement local qui prend en charge toutes les difficultés dans les 14 districts de Kamsar. Alors, ce PDL-là, nous allons voir tout ce qui concerne l'éducation élémentaire, tous les projets. On va essayer d'extraire et de loger ce projet dans le PAI, le programme annuel d'investissement 2025, pour que le problème d'école, d'infrastructure scolaire soit résolu à Bagataï ici.